On a demandé à Sadhguru, l'un des meilleurs cerveaux du moment, de nous donner quelques conseils sur la meilleure façon de gérer notre santé mentale et bien-être global en 2024. Regardez Sadhguru lors du programme de méditation qu'il a conduit plus tôt dans la journée. Sadhguru nous rejoint maintenant depuis Coimbatore en Inde. Vous dirigez la fondation Isha, une organisation à but non lucratif qui... Merci beaucoup. Vous offrez des programmes de yoga pour le développement personnel. Présentez-moi votre événement d'aujourd'hui et ce sur quoi vous êtes concentré en cette fin d'année 2023. Une chose importante à laquelle le monde est confronté, c'est définitivement la santé mentale. C'est devenu un immense défi comme jamais auparavant. Donc, une chose importante, c'est ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre système, parce que notre corps est une conséquence du type de nourriture qu'on consomme. Un grand nombre de gens sont encore en mode survie, le genre de nourriture qu'on consommait pour survivre. On était des chasseurs-cueilleurs, donc on mangeait un certain type de nourriture. Mais une époque est arrivée où notre activité physique a significativement diminué par rapport à ce qu'elle était il y a 1000 ans. Donc s'orienter vers de la nourriture plus végétarienne, des fruits frais et légumes et fruits à coque et, vous savez, d'autres choses, des vies basées sur les plantes, va faire une énorme différence. Et par-dessus tout, si un maximum de gens investissent au moins 15 minutes par jour pour leur bien-être intérieur, quand je dis investir dans leur bien-être intérieur, de même qu'il y a une science et une technologie pour le bien-être extérieur, il y a toute une science et toute une technologie pour le bien-être intérieur. Donc les outils de transformation, on peut en faire usage, on offre ça à beaucoup de gens. Notre idée, c'est qu'au moins 3 milliards de personnes, s'ils peuvent investir 15 minutes par jour pour leur bien-être intérieur, ça fera une énorme différence dans le monde. Et on espère que dans les 18 à 24 prochains mois, on va pouvoir faire en sorte que ça ait lieu. Et par-dessus tout, utiliser le corps, ce corps est conçu pour être utilisé. Si vous essayez de l'économiser, il sera perdu. On doit l'utiliser. Plus vous l'utilisez, mieux il se porte. Et aussi, un facteur important qui cause... Oui, je vous en prie. Sadhguru, je suis avec vous pour 15 minutes par jour. Je vous le promets, je vais faire de mon mieux. Qu'espérez-vous voir de plus en 2024, très brièvement? En 2024, une chose extrêmement importante qu'on doit faire, c'est augmenter la teneur en matière organique des sols parce que la nourriture s'est appauvrie. La nourriture qu'on consomme n'a pas les micronutriments complexes nécessaires pour nourrir ce corps. Par exemple, les études montrent que si vous mangiez une orange en Californie dans les années 1920, les nutriments que vous obteniez pour obtenir la même chose aujourd'hui, vous devez manger 8 oranges. On virerait à l'orange, je pense, si on en mangeait autant. Donc, augmenter le taux de matière organique, on y travaille continuellement. Heureusement, à la COP28 récemment, les discours se sont orientés vers les sols. Autrement, on ne parlait que de pétrole. Il est temps de parler des sols. On en parle, il est temps de passer à l'action. On travaille déjà avec la COP29, avec l'Azerbaïdjan, pour faire en sorte que les sols deviennent le sujet, et heureusement, cette année, il y a eu un événement. L'UNCDD avait un événement dont le titre était « Les sols superstars ». Il y a seulement 2 ans, ils n'existaient pas. Maintenant, ils sont devenus la superstar. Et par-dessus tout, les êtres humains doivent comprendre que l'intérieur est la seule issue, parce que l'expérience humaine est causée de l'intérieur. Si on ne prend pas en main notre intériorité, le genre d'expérience qu'on a de la vie ne peut pas être déterminé de l'extérieur. C'est merveilleux d'être avec vous. Quelle joie! Je suis sûre que ceux qui étaient avec vous aujourd'hui ont dû vivre une expérience merveilleuse. Bonne année à vous de notre part. À vous aussi, bien sûr. Et on va se revoir en 2024. Merci. Ça a été super de vous voir à la COP28. Nous, on est déjà en 2024, je vous l'ai dit. Il vous reste encore 20 minutes, mais nous, on y est déjà. En effet, c'est vrai. Bonne année.